Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une plante qui est liée à la spiritualité et qui est liée aux esprits. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un arbre qui s'appelle le frangipanier en français, le plumeria en anglais. Il tient son nom d'un parfumeur italien, Frangipani, qui avait créé un parfum avec l'odeur de cette fleur, qui est une fleur très puissante. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est une plante qui a toujours été associé en Asie, d'une façon positive ou négative, aux esprits et aux fantômes. Alors quand je dis toujours, c'est un toujours qui est assez relatif parce que cet arbre est originaire d'Amérique centrale, autour du Mexique et du Guatemala, mais il a été très bien implanté dans toutes les îles du Pacifique, en Asie, planté aussi en Thaïlande, vous le verrez souvent. Alors c'est un arbre qui est ambigu, parce qu'il est planté plutôt dans les cimetières. Alors ça, c'est ce qu'on va trouver en Malaisie, en certaines parties d'Indonésie, en Thaïlande, aux Philippines, parfois au Laos, et certainement ailleurs que je connais moins, peut-être en Birmanie. Ce que je sais par contre, c'est que c'est un arbre qui est fortement associé aussi aux esprits et aux fantômes en Inde du Sud et notamment au Kerala où j'ai vécu, où il est réputé pour abriter des esprits femelles, des yakshi, qui prennent possession des jeunes filles notamment quand elles sont surprises, quand elles ont peur, quand elles ont une émotion forte sous un arbre avec ce type de fleurs très odorantes. Elles peuvent être possédées par cet esprit. On en a l'exemple dans un film qui s'appelle Son épouse, un film de Spinoza, Michel Spinoza, je crois, qui raconte l'histoire d'un couple de Français qui est en Inde. Et on a à un moment une jeune fille qui est possédée par l'esprit, un esprit femelle, en passant sous cet arbre, parce qu'elle a eu peur d'un chien ou quelque chose comme ça. On le retrouve aussi dans un autre film indien, un film de Bollywood avec Amir Khan, qui s'appelle Talash. En Thaïlande, ce qui va nous intéresser, c'est que traditionnellement, comme je vous disais, il est associé au cimetière. Et ça, c'est lié à la force de son nom. Puisqu'en Thaïlande, on ne prend pas une plante uniquement parce qu'elle nous plaît, parce qu'on aime son odeur, mais surtout parce qu'elle a un nom qui est auspicieux. Donc ça va être le cas de cet arbre qui s'appelle Lantong, mais qui est proche phonétiquement du mot Lantong, qui signifie malheur, désastre, trouble. Donc c'est cet arbre, il est classé du côté du mal et des esprits à cause de son nom. Et puis la fille du roi Rama IX, la princesse Sirindorn, un jour va décider de renommer cet arbre et va l'appeler Lilawadi. Et en changeant le nom de cet arbre, elle change complètement sa signification. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir utiliser cet arbre comme plante ornementale dans les résidences, au bord des piscines, dans les parcs, qui va prendre une toute autre tournure. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'a accepté. Je pense que les anciennes générations de Thaïlande continuent d'avoir beaucoup de méfiance par rapport à cet arbre. Et ici, dans le parc, le cimetière de la mosquée, on en a quelques-uns. Alors, ils ne sont pas en fleurs en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de fleurs, mais je vais quand même vous en montrer. On en trouve dans tous les autres cimetières de Bangkok et de Thaïlande en général, dans les cimetières chrétiens, un petit peu dans les cimetières chinois, mais j'ai remarqué qu'il y en avait moins qu'ailleurs. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est pas parce qu'on a un arbre qui est installé avec une signification forte, symbolique, qui est liée aux esprits, qui est liée aux fantômes, qu'on ne peut pas changer sa symbolique uniquement par la volonté d'une personne influente. Ici, c'est le cas de la princesse Sirindorn, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, l'influence d'un film, d'un livre, ou un mouvement spontané qui viendrait de la population pour modifier le caractère bénéfique, auspicieux ou maléfique de la plante. La princesse Sirindorn n'a pas choisi le mot Lilawadi au hasard. C'est une intellectuelle, une sanskritiste. Et on peut découper ce mot en deux. La première partie du mot, la partie lila, vient du nom d'une posture du Bouddha, une posture qui est typique de la période de Sukhothai, où on le voit descendant du paradis,
dans une posture très gracieuse, très élégante. C'est cette statue qu'on voit au Doi Suthep, mais surtout au parc Phuta Mountain à l'ouest de Bangkok, où on a la statue qui est considérée comme la plus grande du genre. Donc évidemment, ce mot est d'origine sanskrite. Alors, à contrario, on va trouver en Indonésie, notamment à Bali et à Java, une utilisation plus auspicieuse auprès des esprits comme offrande. On va pouvoir offrir la fleur de cet arbre à certains esprits. Et d'ailleurs, on a une sculpture de la fleur de cet arbre sur deux temples en Indonésie qui se situent les deux à Java, dont l'un est le temple de Borobudur, qu'on sait avoir été construit entre le 9e et le 14e siècle après Jésus-Christ, donc bien avant les explorations occidentales en Amérique qui auraient pu ramener l'arbre. Donc ça reste un mystère de savoir comment cette fleur est présente sur cette île aussi éloignée de l'Amérique. Donc il va prendre des caractères bénéfiques ou maléfiques, mais toujours liés aux esprits. En Thaïlande, je vous disais, il a plutôt tendance à devenir une plante ornementale qui va être utilisée pour sa beauté et pour l'odeur de sa plante, de sa fleur. Je pense qu'une des choses qui a joué énormément dans la symbolique de cette plante, c'est qu'on peut parfois trouver son tronc totalement dénudé, avec une absence totale de feuilles, alors qu'on a encore des fleurs. Donc ça donne un aspect un peu cadavérique, un peu squelettique aux arbres, et c'est peut-être ce qui explique sa proximité avec les esprits malfaisants, les esprits négatifs. Alors, à contrario, on va avoir d'autres plantes en Thaïlande qui sont bénéfiques et qu'on va planter à cause de la portée auspicieuse de son nom. Alors, ça va être le cas d'un arbre qui porte des tout petits fruits verts très acidulés, qui ont un peu le goût du tamarin assez acide ou du citron vert. Donc, beaucoup de Thaïs plantent cet arbre qui s'appelle qu'on peut rapprocher du mot thaï. Et c'est lui, par exemple, qu'on va retrouver dans le nom d'un marché flottant qui se situe à l'ouest de Bangkok, qui est le marché flottant Lat Mayom. Donc voilà, on peut éviter certains arbres parce que leur nom est proche d'un mot thaï qui sonne pas bien à l'oreille, et on va avoir des arbres qui sont plutôt bénéfiques parce que proche d'une sonorité thaï qui porte un aspect auspicieux dans son nom. Alors si en Asie c'est le frangipanier qui est associé au cimetière, en Occident et notamment dans le monde gaulois, dans le monde celte, c'était plutôt l'if qui était symbole de mort, peut-être à cause de la toxicité de l'arbre, mais aussi peut-être une référence à la longévité exceptionnelle. On trouve plusieurs individus qui ont plus de 1000 ans. Le cyprès joue à peu près le même rôle, mais c'est surtout la fleur de chrysanthème qu'on trouve le plus aujourd'hui dans les cimetières, notamment en France. Et si cette fleur est symbole de longévité en Asie, en France, on fait plutôt appel à son côté solaire, lumineux. Et elle est venue remplacer les traditionnelles bougies qu'on avait dans les cimetières. Mais c'est une tradition qui a été fortement initiée par Georges Clemenceau pour l'anniversaire de l'armistice en 1919. Donc encore une fois, on voit qu'une tradition, c'est quelque chose qui a pu être établi dans un passé assez récent. Là, ça fait un siècle qu'on fait ça en France. Mais je reviendrai sur cette notion de tradition qui ne sont pas toujours des choses qui sont ancrées, comme je l'ai déjà dit, depuis des siècles ou des millénaires. Voilà pour cette petite vidéo botanique, ethnobotanique pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. À bientôt, merci.